This Labor Day, put an end to junk sleep. Right now at Mattress Firm, save up to $500 on our top-rated brands when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus, get a free adjustable base when you spend $699 on Sealy. Or save up to 50% on hot buys from top brands like Sleepy's or Serta. With our highly trained sleep experts and our low price guarantee, you can rest assured you'll get the best bed at the best price. Unjunk your sleep, only at Mattress Firm. Offer valid with qualifying purchase. Restrictions apply. Valid at participating locations only. For offer details, visit mattressfirm.com/sale. Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Ça va, Anthony Morel? Ça va très bien, Estelle. Anthony, c'est génial. Vous avez trouvé l'amour. Ouais. Mais, il y a un mais. Il y a un truc qui va pas. Bah, il y a un truc qui va pas parce qu'elle est virtuelle. Ah là, c'est, je suis amoureux d'une intelligence artificielle. Aïe, aïe, aïe. Bon, je le dis juste pour la chronique parce que ma copine regarde, sinon, bon, bon je le précise quand même. Mais enfin, voilà, je voulais elle vous parler. Elle est jolie, cette intelligence artificielle. Elle est pas mal. Elle est pas mal, mais bon, elle est virtuelle. Alors, en fait, elle s'appelle Xiaohai. Elle est chinoise. Alors, oui, je sais pas si je le prononce bien parce qu'elle est chinoise. C'est un algorithme émotionnel, on appelle ça. C'est-à-dire, en fait, une application qu'on télécharge sur son smartphone. 150 millions de téléchargements en Chine pour cette application qui en fait va jouer le rôle d'une petite amie. Alors concrètement, vous téléchargez, d'accord. Vous choisissez si c'est un homme ou une femme, parce que ça peut être un petit ami ou une petite amie, la personnalité, enfin un certain nombre de paramètres, et après physique ou pas. Alors son est-ce physique. Est-ce qu'on peut lui mettre des cheveux marrons? Ouais, alors on peut personnaliser des poils, après, pas de poils, des yeux bleus, des yeux verts. On est très très loin. Et surtout après, on va discuter. Alors un peu comme quand vous discutez avec Siri finalement. Alors vous pouvez faire en mode vocal, vous pouvez chatter aussi par écrit. Vous lui dites quoi? Vous lui dites des petits mots d'amour. Vous vous épanchez, vous lui racontez vos malheurs. Et en fait, mais elle vous répond. Mais bien sûr, elle vous répond. Et en fait, c'est là que c'est complètement fou. C'est-à-dire que cette intelligence artificielle, elle a été conçue. En fait, le niveau de réalisme des dialogues est troublant. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle va vous répondre. Elle a été conçue pour analyser votre état émotionnel. Donc si vous êtes pas très bien, elle va essayer de vous réconforter. Elle va flirter avec vous. Elle va vous envoyer des petits messages un peu coquins, voire carrément explicites. Enfin, ça va assez loin. Elle va nous chauffer, quoi. Elle va vous chauffer, effectivement. Alors, j'ai pas testé en vrai, parce que je parle pas encore mandarin. Bah ouais, mais bon. Mais c'est pas en français là. Bah non, c'est en chinois. Ah, c'est pas pratique. Ah bah oui, non, mais ils vont sortir probablement une version chinoise. Ça va. Quoi. Oui, voilà. Hein. On peut utiliser un système de traduction sans aucun problème. Mais enfin, en tout cas, c'est assez impressionnant. On est plus capable de faire la différence entre l'homme et la machine. Et on peut sortir irlandais avec son copain ou sa copine virtuelle aussi. Oui, bien sûr. Ah bah oui, on peut nous faire des reproches. Si pas dispute, y a pas couple. Pardon. C'est comme à la maison. Voilà. Non, mais bien sûr. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment tomber amoureux de cette intelligence artificielle? Bien sûr. Bah, comme dans le, je sais pas si vous avez vu le film Her, qui est un film extraordinaire. Ouais. Tu l'as vu. C'est un film où justement le personnage principal tombe amoureux d'une intelligence artificielle, alors qui est incarnée par Scarlett Johansson. C'est la voix de Scarlett Johansson. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que certains utilisateurs, c'est ce que racontent en tout cas les témoignages, tombent dans un état de dépendance émotionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à décrocher. C'est un amour à sens unique, pour des raisons. Ils sont un peu idiots, enfin pardon, mais. C'est une modernisation de ce que le patriarcat a organisé depuis très très longtemps. C'est-à-dire que quand on est tombé sur le mot patriarcat, on est en train de parler des femmes en mariage, il y avait même des séances pour bien apprendre comment se comporter, répondre aux demandes de l'homme. Philippe Collin. Oui, on peut choisir le sexe masculin. Ne vous inquiétez pas si on voit les statistiques, à mon avis, si. Fatima Benoît, de toute façon, elle est contre. Il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent également. Il y a beaucoup de femmes qui l'utilisent également. Et quand on regarde, il y a aussi un petit côté SOS détresse amitié, c'est ça relève quand on regarde les statistiques d'utilisation, la durée moyenne d'interaction c'est 23 échanges, c'est plus long que les interactions humaines moyennes, c'est-à-dire qu'en fait on passe son temps à raconter tous ses malheurs finalement il y a des histoires folles. C'est un chinois qui raconte par exemple que l'application l'a dissuadé de se suicider, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle en discutant avec lui ça va quand même très très loin quoi, si vous voulez, dans ces interactions. Mais si vous lui dites par exemple, trouve pas que j'ai un peu grossi, parce que c'est quand même le truc qu'on dit le plus. C'est la question piège, ça. Bah, normalement, elle doit vous répondre. Ouais. Genre, je sais pas ce qu'elle vous répond. Je lui ai pas posé cette question-là. Parce que normalement, il faut jamais répondre à ce genre de question. C'est la question piège. Là, c'était un exemple parmi d'autres, Anthony, mais d'autres trouvent l'amour dans un hologramme ou un robot. Ouais, alors ça va très très loin. Certains parlent même de digisexuel maintenant. Alors, il y a ce japonais qui s'est marié avec un hologramme. Il y a même des startups spécialisées se marier avec un hologramme. Bah, au Japon, on peut faire beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, il a organisé une cérémonie qui lui a coûté des milliers d'euros. Il y avait des invités. Il avait son petit hologramme à côté de lui. Et puis, il y a ceux qui commencent aussi à s'enticher de, alors, ce qu'on appelle pudiquement des robots compagnons. On en voyait quelques-uns pour ceux qui nous regardent sur RMC Story. Mais enfin, c'est plutôt des robots sexuels, en l'occurrence. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des
des entreprises spécialisées qui créent des robots avec un niveau de détail, de peau, de cheveux, etc. complètement fou. Mais c'est vrai. Mais, c'est... mais en vrai. Ah, mais vous en pouvez vrai. L'acheter. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Vous pouvez l'acheter. C'est une poupée gonflable version 2.0. Oui, mais beaucoup plus sophistiquée. Ouais. Pour femmes et pour hommes. Pareil, vous avez le choix. Avec, alors, on voyait un robot. Ça, c'est je sens que ça plaît beaucoup à Fatima Benomar. Non, non, mais quand je dis que c'est inspiré du patriarcat, c'est pour avoir travaillé sur la question de la prostitution. C'est un substitut de la prostitution. Et d'ailleurs, il y a des séances de dressage des personnes prostituées pour qu'elles soient la poupée parfaite de et physiquement et mentalement. Ou alors absolument. Là, c'est le système de traite. C'est toujours trois mois où on enferme et on torture les femmes avant de les rendre disponibles à la prostitution. En fait, Fatima Benomar, elle met de la légèreté dans les coups. Non, mais ça, c'est hyper important. Philippe, la poupée sexuelle, c'est la nouvelle. Allez-y, Philippe Collin. Il y a une excellente série qui est passée il y a quelques années, ça devait être sur Arte, qui s'appelle Real Humans. Bien sûr. Et donc, qui montrait déjà des robots. Tu achetais ton robot, ce qui te permettait d'être obligé de payer une femme de ménage. Et donc, tu branchais le robot tous les soirs. Et puis, cette série est très bien parce qu'à ce moment-là, il y a évidemment, au début, tout va très bien. Et puis, il y a des méchants, parce qu'il faut toujours des méchants. Bien sûr. Donc, qui mettent la main sur le logiciel de pilotage des robots, et les robots deviennent méchants à eux, leur tour. Ah oui. C'est plus que des, c'est pas uniquement des esclaves de leur maître, ils deviennent à ce moment-là capables de rébellion, d'accord, d'hostilité. Okay, alors, Philippe Collin et Fatima Benomar, faut plus que je les fasse intervenir pendant une semaine. Moi, je vous fais extrêmement grave. Mais on est là, on est en train de parler amour virtuel, et on est sur quel amour virtuel. Je vous conseille absolument que stop, on n'a plus le droit. Anthony Morel, juste, allez, un dernier mot. Ça coûte combien? Ce genre de robot? Alors c'est plusieurs milliers d'euros, ça coûte très très cher. Là on voyait un robot Scarlett Johansson qui a été créé par un monsieur de Hong Kong et qui lui a coûté 50 000 euros de toutes pièces. Et alors mais enfin bon, après on se demande, il en fait ce qu'il veut après derrière. Enfin bon, c'est elle est d'accord pour donner son image. Merci beaucoup Anthony Morel. Chaque jour on vous retrouve dans Estelle Midi aux alentours de midi 55 et on est ravis chaque jour que vous nous fassiez découvrir des nouvelles technologies, que vous nous parliez d'amour. Merci beaucoup Anthony Morel et puis je vous souhaite bon week-end Anthony. Eh ben merci, on se retrouve lundi. Joe didn't talk to a Mattress Firm sleep expert. And when hunger led him to the deli, Junk Sleep left his wallet at home. Oh, did I... Leaving Joe checking every single pocket. No. Twice. To the frustration of everyone in line. For the type of sleep that makes wallets unforgettable, head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.